Je comprends pas trop. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, waouh, waouh, waouh. Ah, ah, ah. J'ai peur. Oh, vous voyez la taille de l'aiguille là? Regardez. Hé, hé, hé. Mon oreille, elle est toute rouge là. Je vais faire un malaise. Mais j'appuie pas, ça va pas ou quoi? Je l'ai fait? Je suis trouée là? Ah merde, on me voit pas. Wesh, c'est ta cousine préférée. Ça va ou quoi? On dirait trop, je viens de me réveiller, je sors de mon lit, je fais une vidéo directe. Aujourd'hui, je viens pour vous faire une vidéo où je me perce le visage. J'ai dit ça tellement sereinement, mais non. Dans ce sac plastique là, il y a plein de piercings. Voilà, donc là, avec l'action que je viens de faire, j'ai perdu la moitié des piercings. Ah, il y a quelqu'un. Ah. Ce sachet est vide. Je vous montre en despie, regardez, j'ai acheté plein de boucles d'oreilles, de trucs pour se percer, des faux piercings, des trucs aimantés. Et en gros, je vais me transformer en passoire. Mais j'ai perdu la moitié là. Ils sont passés où, tous? Mais j'ai perdu la moitié, non? Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton like, ton commentaire, ton partage. Et tu peux toujours t'abonner, ça fait plaisir. Vous savez que là, il y a des piercings que je ne me rappelle plus à quel endroit ils se mettent. Genre ça. Super le focus. Ça, je sais absolument pas où ça va. Bon, c'est pas grave, je vais trouver. Vous savez quoi, on va faire soft, on va commencer par les oreilles. Le star que j'ai là n'est pas un piercing, ok? Je viens de ce côté de l'oreille et j'ai commandé un écarteur. Je sais pas si vous savez ce que c'est un écarteur, je les baille comme ça là. Et c'est aimanté, donc ça fait genre que j'ai les oreilles écartées. Est-ce que ça le fait au moins? Waouh, ça tue! Je crois que je vais le faire en vrai, wesh. Attendez, on va combler tout le trou de l'oreille là, jusqu'au piercing avec d'autres boucles d'oreilles. Faut que mon oreille elle puisse plus respirer, faut qu'il y ait des boucles d'oreilles au max. Ça marche? Parce que moi je vois absolument rien. Mais j'y arrive pas. Ah, c'est quoi ces oreilles qui veulent pas coller là? Attendez, j'ai besoin de concentration. C'est pas possible d'être aussi incompétent que moi. Tu vois là, je pourrais être en train de faire mes devoirs ou quoi? Ben non. Ben non. Je suis en train de me percer les oreilles. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, laissez-moi approcher mon oreille que j'ai pas lavé. Quand vous me voyez là, on dirait pas j'ai deux personnalités. Là, il y a cousine. Et là, il y a la cuisine, non? La cuisine! C'est incroyable, ça change grave des oreilles percées, mais j'aime trop ça! Ok, maintenant que mon oreille, elle est en train de suffoquer au max, on va passer à mon nez. Pour le nez, j'ai pris ça. Tac. Mais c'est n'importe quoi. Comment je suis en train de me transformer. Incroyable. Pour le nez, c'est pas fini. J'ai pris un deuxième, comme ça. Par contre, je sais pas si je le mets du côté droit ou du côté gauche. Plouf, plouf, ça sera toi au bout de 3. 1, 2, 3. Côté droit. Vous pensez quoi de mon nouveau style? J'ai des piercings, je sais même plus à quoi ils servent. J'ai ça, ça je crois c'est pour l'oreille. Mais du coup, est-ce que je le mets là, même si j'ai un piercing ou pas? Ou ça fait trop? Je sais pas si je le mets là ou si je le mets là. Vas-y, on va tester là, là, de ce côté. Mais c'est de ce côté, mais à quoi ça sert celui-là? Est-ce que c'est ça au moins? J'en sais rien. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Ça va là? En mode, vous allez me répondre. Bref, passons. J'aime trop, waouh. Waouh. Passons au piercing suivant. Mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait les trucs pour refermer les paquets de gâteaux là. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, je crois. Je suis pas sûre, mais je pense avoir compris. Genre comme ça, non? Ah, mais non, ça tient pas. Ah mince. Mais j'ai tout perdu! Ah, mais j'ai vraiment des vieilles oreilles, wesh. Pourquoi ça tient pas? Allez, rentre! On va chercher un marteau. Ah, mais je suis en train de me retourner l'oreille. Et ça, ça va de quel côté, wesh? Ok, alors là, faut pas trop que je fasse de mouvements brusques. Parce que sinon, je perds la moitié de mes piercings. On passe à lui. Oh oh. Mais il est passé où? C'est pas possible. Il est tombé sous mes yeux. Je l'ai perdu de vue. Ah, c'est bon. Pas la peine de paniquer. Il est là. Il est ici. Il est présent. Mais il est présent, sauf que je ne comprends pas. Je comprends pas trop. Je vais essayer de le coller à mon oreille encore. Mais où? Ah, où? Il fait mal celui-là. Mais il fait tarpin mal. Votre collègue. Oh, il est grave beau. J'ai compris. En fait, il s'accroche comme ça à l'oreille. Oh, mais c'est trop beau. J'ai envie de le mettre de l'autre côté, mais il n'y a pas de place. J'essaye de l'autre côté. Oui, venez, j'essaye de l'autre côté parce que ici. J'arrive pas à l'enlever. Ah! Ah! Les gars, je crois que j'ai fait un vrai piercing qui veut pas s'enlever. Attendez, laissez-moi réfléchir. Ah! Il est vraiment bloqué. Ça veut dire que c'est le destin, que j'ai pas le choix de le faire là. Hein. Tant pis, on va le laisser là. C'est moi qui fais mes vidéos, mais c'est même plus moi qui décide. Je vais voir ma tête. Oh! Mais qui êtes-vous, madame? Attendez. Wesh! J'ai fait un balayement de cheveux, j'ai perdu un piercing, j'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon mec et j'ai même perdu du poids. Je crois que je vais m'attacher les vaches. On reprend. Mais j'ai une tête de phoque là. Le seul qui est pas parti, hein. J'ai pas lâché, chien comme ça. Hop, toi tu vas rester bien accroché ici et toi tu vas te remettre là. Aïe, aïe, aïe. Ok,
Ok, là on est carré, on bouge plus. Il faut faire aucun mouvement brusque. Je répète, aucun mouvement brusque. On passe au prochain piercing. Je vais vous montrer la tête des piercings. Même vous, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout votre collègue? Voilà. Ça là, c'est des brochettes. En fait, je vous explique, c'est des trucs... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des mains avec des trous. De base, la passoire, c'est mon visage, mais en fait, c'est mes mains. Du coup, je vous disais, c'est des piercings que tu enlèves et qui sont aimantés. Donc là, j'ai une partie du piercing. Et je pense que je vais faire l'arcade. Mais quelle arcade? On va faire les deux. Soyons fous. Ah! Ah, ça fait mal! Ah, ça fait mal! Ah, waouh, waouh, waouh! Ah, 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 ah. Ok, super, ça va vous? Vous passez un bon moment parce que moi non. On reprend, voilà. Attendez, je vais faire le deuxième côté. En dirait grave, je suis étonnée. Ah, ah, je vais appeler la police. Je vais appeler la police, ah non. Et je vais pleurer. Oh, attendez, faut que je... Oh, je sais. On va faire une diversion. Voilà, ça passe ou pas? Ou c'est mieux en dessous? Attendez. Mais en dessous, on ne voit pas. Voilà, on va laisser cette alternative. Mais est-ce que je vais arriver à parler avec ça au moins? Je vous cache pas que j'ai super mal à la lèvre. C'est atroce. J'ai super mal. Ça m'a démonté. C'est pas grave, on prend des risques. On fait ça pour la famille, pour la daronne. C'est bon, on va... J'oublie tout. Allez, c'est parti. Non, attendez, je peux pas. Lui, je vais le mettre vraiment en dernier parce que je crois que c'est celui qui fait le plus mal. Mais vraiment, lui, je... Ouh, on va refaire les arcades. Voilà, parfait. Pas de mouvement brusque. Vraiment pas de mouvement brusque. Mon visage, c'est une arme blanche. Il faut pas que je ferme les yeux non plus. On est pas bon du tout. Ah, mais je me tire la peau de ouf, là. Ah, mais qui suis-je? Attendez. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un autant galérer dans sa vie? Ah, attendez, j'ai envie de tester un bail. Ah. Wesh, j'ai failli m'étouffer. Non, mais vous allez comprendre ce que je veux tester. Au moins, maintenant, au lieu d'avoir un star, j'en ai deux. Ah, j'ai mal. On va trouver notre solution, parce que il fait... Il fait que s'enlever, il fait mal. Je vais passer au moment que je redoute le plus. Je vous le sors de son emballage, je vais sortir la bête. Je vais me percer l'oreille, mais toute seule. J'ai super peur des aiguilles. Mais pourquoi je fais des vidéos comme ça, moi? Des vidéos qui vont même pas faire de vues. Bref, attendez, parce que c'est un choix, c'est vraiment franchement un choix difficile, là. J'ai peur. Ça se voit pas, hein, je sais que ça se voit pas, mais j'ai peur. Oh, mais ça veut pas s'ouvrir, quel dommage. Ouais, donc en fait, je vais passer plus de temps à essayer d'enlever ça qu'à faire ma vidéo. En fait, j'ai grave la flemme de me lever, l'équipe. Y'a pas un coupon, lui. Non, mais j'avais pas envie de me lever. Faut que j'aille chercher un ciseau. Hey, mais l'engin, il fait peur, hein. Regardez-moi cette bête. Donc là, non, je crois que je vais pas le faire. Donc là, je vais devoir... Ah, oh, vous voyez la taille de l'aiguille, là? Regardez, hey. Je vais devoir... Comme ça? Mais ça va pas ou quoi? Déjà, est-ce que je vais réussir à bien cadrer? Parce que là, j'ai déjà un trou. Oh, mais qui fait ça tout seul? Je vais faire un malaise. Je suis en pleine hésitation. Est-ce que ça fait plus mal qu'une claque? Vas-y, au moins j'ai mal à la claque et je vais oublier la douleur. Allez, c'est parti. J'appuie pas? Mais j'appuie pas, ça va pas ou quoi? Ah, il faut que je fasse tac, comme ça. Vous savez quoi? Je vais chanter une musique pour passer... J'ai vraiment de l'adrénaline, là. Vous êtes prêts ou pas? Parce que moi, non. Je l'ai fait. Je suis trouée là. Ouais, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. On va voir ce que ça donne avec une autre boucle d'oreille. Waouh, est-ce qu'on est des fous et on fait un troisième trou? On est des fous ou pas? Bien évidemment qu'on est des fous. Est-ce que j'ouvre la bête? J'ouvre la bête? Allez, on ouvre la bête. Est-ce que j'ai de la place au moins sur mon oreille pour faire un troisième trou? Hé, mon oreille elle est toute rouge là, Ça va ma soeur? Elle est toute rouge et elle est chiante, je crois qu'elle a de la fièvre. Vous savez quoi, je réfléchis pas, et je vais même pas parler. Parce que tout à l'heure j'ai crié, j'ai chanté du Beyoncé, je sais pas si vous avez reconnu. Là je vais pas parler. 1, 2, non, ben non. Mais pourquoi je suis une tapette comme ça? Attendez, je vais invoquer de la force. Aya Nakamura, s'il te plaît, donne-moi toute ton énergie. Ah, je transpire et tout là. 1, 2. Ah, waouh, j'ai eu mal. Hey, j'ai eu mal, mais le résultat est beau. Hey, bienvenue dans la famille des oreilles. Hey, mais mon oreille, elle est trop belle en fait. Regardez. Il n'y a pas que l'oreille qui est belle, je sais, mais là, on parle de mon oreille, pas de moi. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là qui m'a saoulé tout à l'heure. À défaut de percer sur YouTube, ben, je perce mes oreilles. C'est super. La touche finale. Voilà, j'ai mis ça ici parce que les autres boucles d'oreilles, elles tiennent pas, ça me saoule. Et voilà, le résultat final. Je suis percée de partout. Vous savez que ce piercing-là, il est trop beau. Celui-là, j'aime trop. Et celui-là, là, je suis trop contente. Et même lui, je le trouve trop mignon. Il fait tard pas mal, hein. Je vais l'enlever, je vais vraiment avoir un trou. Du coup, vous pensez quoi de mon nouveau style? Je suis toujours votre cousine préférée.
Je pense pas. En tout cas, dans cette vidéo, il y a eu plus de peur que de mal. Mais par contre, là, j'ai vraiment mal, donc je vais l'enlever celui-là. Je suis désolée, l'équipe. Mais hey, mais ça, là, ces trucs, c'est super dangereux. Tu veux torturer quelqu'un, tu lui dis juste, ramène ta tête. Et tu lui mets ça dessus, laissez tomber. Je fais ça pour vous, hein, pour vous faire des expériences nulles. Bon, je vais enlever tout ça, parce que là, je suis en train de souffrir de ouf. Et c'était ta cousine préférée. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.